my team has to be courageous and brave without the ball and with the ball to be to put doubt on the opposition on Columbus. Sorry. Tom from MLSsoccer.com. Wilfred, thanks for taking the time. Nice to speak with you. Just had a couple questions about Georgie. The first one, you know, I guess just in general, what have you made of Georgie's first few games as a member of this club? Yeah, listen, Georgie, I'm pretty happy about what he's done so far. Now he knows a little bit more the players, and the player knows Georgie a little bit better in terms of his quality. So what I like about him, it's able to read the play, and he's able to get also the freedom to understand, to slow it down and speed up the tempo. And for the moment, this is good. So now we need to focus a little bit more now on the recognize the moment to accelerate a little bit more the play or to slow it down a little bit more. But it's getting better with all the team. And there's a second one on that. You know, what has he done well, and how do you like his fit in your system? I like him because he's able to attack and defend also at the same time. I call it he's in the continuity of the game. So when he loses the ball, he's able also to try to win it or to delay as soon as possible. And what I like about him, that's why for the moment the attack is pretty good, because when he has time on the ball, he's able to play forward and to give the ball to get in behind for all the attackers. So for me, for the moment, this is good. Now we need to be better with the interaction between all the forward players. But I'm pretty happy about what he's done so far. Paul Vence. Thanks, Patrick. Hi, Will. Thanks for doing this. Just wondering if you'd give us a status on Ahmed Hamdi. We haven't really seen him yet, even on the bench, and I'm wondering if he's in your thoughts for the weekend. Hamdi is like the other player. He works well, and for the moment, he's not in the group. I'll see next week. But again, this is a player that he's learning every day. He learns every day about what he wants to do on the pitch and all about the concept. But for the moment, he's not in the group, but he's going to be in the group soon. On revient en français. Frédéric Gay. Oui, Wilfried, peut-être deux, trois questions en une. Par rapport aux disponibilités, Amar avait connu quand même une belle fin de saison l'année passée. On ne l'a pas beaucoup vu encore. Est-ce qu'on va le voir davantage? Qu'est-ce qui se passe avec Torres? On dirait qu'il y a aussi, tant mieux, là, beaucoup de profondeur qui fait que vous n'avez pas nécessairement les utiliser, mais quand est-ce qu'on risque de voir ces joueurs-là? Et aussi, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé après les deux matchs, après avoir vu les vidéos? Est-ce que l'aspect physique est au rendez-vous pour vos joueurs? Sur quoi vous avez vraiment travaillé cette semaine? Par rapport à Amar et Joachim, ce sont des joueurs qui, encore une fois, travaillent bien. J'ai discuté avec eux. Pour l'instant, je fais ces choix-là. Quand le moment sera opportun pour eux, ils auront des minutes, ils joueront. Pour l'instant, sur les deux derniers matchs, ils n'ont pas eu beaucoup de minutes ou pas du tout. Mais c'est par rapport à la situation, c'était les choix qu'il fallait faire. Donc maintenant, par rapport au match de ce week-end, on verra. Mais je compte sur eux. Et par rapport à la dernière question, c'était… Par rapport à ce que vous avez travaillé cette semaine, Will, à l'entraînement. Ah, les négatifs. Par rapport au match de Nashville, on a travaillé sur la… J'ai eu un bon meeting avec les joueurs. Le meeting n'était pas évident parce que les joueurs font bien avec le ballon. Il y a un axe de progression qui est super intéressant. Je les sens beaucoup plus libérés et on est capable de prendre de la vitesse aussi, Défensivement, on est agressif, on pourrait l'être un peu mieux. Maintenant, il faut qu'on trouve la bonne balance entre les deux. C'est-à-dire que j'ai regretté qu'à partir de la 60e minute, quand on a joué contre Nashville, qu'on ait des prises de décision qui ne soient pas les bonnes, qu'on perde le ballon trop vite, qu'on se précipite dans les centres alors qu'il n'y avait qu'un joueur qui était dans la surface. Si on avait pu être un peu meilleur dans ces prises de décision-là, pas spécialement aller vers l'avant parce que ce n'était pas le moment d'y aller, plutôt de s'installer, on aurait pu gérer un peu mieux le tempo du match parce que Nashville mettait beaucoup de pression à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. Ils envoyaient le ballon vers l'avant,
donc il, dans, en profondeur. Donc du coup, on a eu un moment qui était difficile. Donc on a eu un bon meeting pour montrer justement la nuance qu'il y a entre à quel moment, si on attaque bien, on va être capable de bien défendre. Donc ce sont des concepts que l'on a mis en place et les joueurs étaient d'accord par rapport à ça. Parce qu'on a eu 10 minutes difficiles entre la 60e et la 75e, on va dire 15 minutes. Et dès qu'on a pu essayer de calmer un peu le tempo, c'était un peu mieux. Sachant que donc on a travaillé un peu sur cet axe-là. Nicolas Landry. Bonjour Wilfred. J'aimerais avoir ton avis sur le début de saison de Rudy Camacho. C'est un gars qui a eu des hauts et des bas bien documentés dans le passé depuis qu'il est ici. Il a un rôle important depuis le début de la saison. Il me semble très bien s'en tirer. Au début de la semaine, Kamal nous disait que Rudy l'avait un peu pris sous son aile, semblait apprécier sa compagnie. Bref, comment tu trouves que Rudy gère son début de saison jusqu'à présent? Ben, jusqu'à présent, ça se passe très bien. J'ai eu une super bonne discussion avec Rudy dès que j'ai été nommé, quelques jours après, pour faire un bilan un peu de sa saison. Il a été très honnête avec lui-même. Il sait que l'année dernière, il a eu des très bons matchs. Par contre, il a fait beaucoup d'erreurs et donc ça l'a pénalisé. Et donc, on a travaillé sur certains axes avec Rudy. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Avec le staff aussi, on fait beaucoup de travail individuel. Et Rudy se sent bien. Rudy se comporte bien pour l'instant. Il prend du plaisir sur le terrain. Donc voilà, maintenant c'est ce qui se passe en ce moment. Maintenant on sait pour avoir joué défenseur central qu'on n'est pas à l'abri de faire une erreur à n'importe quel moment. Donc pour l'instant, très content de ce qui se passe, que ce soit pour lui individuellement ou pour l'interaction qu'il a avec les autres joueurs. Mais on verra après par la suite, mais pour l'instant content. Oui. On pourra prendre deux, trois autres questions avec Wilfred Gavino de Falco. Merci, Pat. Will, je veux te parler du Crew de Columbus qui, hier, a fait match nul contre Monterey 2-2. Se sont fait jouer un tour, peut-être, dans les arrêts de jeu et tout ça. Écoute, ils ont priorisé présentement la Ligue des champions. On a vu Zelarayan, Santos, Diaz et j'en passe, là. Je veux savoir, présentement, sur ton bureau, est-ce qu'il y a deux scénarios possibles? Est-ce qu'il y a deux plans de match? C'est-à-dire, un avec Zelarayan, qui est clairement un des top trois joueurs de la Ligue, et un sans. Merci. Non, le plan de match est le même avec Zelarayan ou pas. C'est une équipe qui, collectivement, qui est intéressante, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc, du coup, nous, on a travaillé sur un plan cette semaine. Donc, il peut y avoir des rotations, peut-être que oui, peut-être que non, mais ça ne changera pas notre plan. C'est sûr que si Zelarayan est là, il va falloir être encore un peu plus agressif sur lui. Mais encore une fois, il y a d'autres joueurs aussi qui sont très bons, comme Santos, comme le petit Diaz, comme Zardes, comme Wright Phillips, je ne sais pas s'il va jouer. Donc du coup, nous, on doit se concentrer sur nous, sur être capable de bien défendre quand on doit défendre et de bien attaquer quand on doit le faire. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse. Adi, Raphaël. Merci beaucoup, Pat. Bonjour, Will. Une question qui est un peu, pas vraiment par rapport au match, c'est par rapport à l'effectif, par rapport à Ismaël Koné, qui est avec vous maintenant. Là-bas. Est-ce qu'il a signé un contrat MLS ou un contrat U23? Ou parce que je sais que c'était un joueur à laisser. Le fait qu'il soit là-bas, est-ce que ça veut dire que vous lui avez offert un contrat? C'est un joueur qui est avec nous. Et je suis très content de ce que Ismaël fait. Il ne faut pas oublier qu'Ismaël n'a pas eu un parcours structuré, on va dire, depuis qu'il est tout jeune. Donc, il est avec nous depuis le début de la saison et ça se passe très bien. Il progresse bien. Il a des qualités qui sont très intéressantes. Maintenant, l'idée, c'est qu'il apprenne des joueurs qui sont avec nous. Mais la seule chose que je peux dire par rapport à Ismaël, c'est que je suis très content de ce qu'il fait. Donc, on verra après par la suite. And the last one, Herb, again. Thanks so much, Pat, for allowing a second question. Hey, Will, I'm guessing that no manager wants to go through the season allowing two goals every game. It's putting a lot of pressure on your offense. I know I'm stating the obvious here, but what can you do to tighten up? And has that been some of the emphasis this week in the workouts? Yes, for sure. We discussed about this. And I like to attack also, but I like also to defend well. And first of all, I think that we have to be more malicious. I don't know if you understand what I mean, because the way we conceded the goal, I think that's, we knew in the beginning that they were better than us on the cross and the inside the box.
So, but we, individually, we have to be a little bit more vicious to bump the player a little bit more. So we have to be, we have to learn that, we have to be aggressive on that. And the second step also for me, and we put a lot of focus this week, is to be better on the ball. Because we lost the ball too many times around the 75 minutes. And it was not about the physical aspect, because it was more about the decision making. Try to play quick forward, but with only one guy, one forward against four defenders, we have to recognize that. We have to be able to recognize that and to keep the ball when we have to keep it, to give time and rest and to be high up the pitch. So everything is connected. So this is the focus that we put this week. And we'll see if the players are going to be able to do it against Columbus. Merci beaucoup, Wilfried. Bon match, samedi. À vous. Au revoir. Je vous rappelle que Zoran Basson va être ici dans une minute. Zoran Basson is going to be here in a minute. Thanks. Et en attendant qu'il s'installe, je vous invite à lever la main, comme d'habitude, s'il vous plaît. Allô, Zoran. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes cet après-midi. Il y a une première question pour toi, celle de Jérémy Filosa. Bonjour, Zoran. J'espère que ça va bien. Ça va bien, super. Et vous? Oui, ça va bien. Zoran, il y aura probablement des décisions importantes à prendre du côté de l'entraîneur lorsque certains joueurs blessés reviendront bientôt, si ce n'est pas cette fin de semaine, la fin de semaine prochaine, mais... Étant donné que tu es capable de jouer right back aussi, au besoin, je crois que tu as joué right back avec les U23 le mois dernier, tu peux aussi être inséré au milieu de terrain. Est-ce que, selon toi, c'est un avantage et ça fait en sorte que tu es plus difficile, disons, à déloger? Merci. Je veux dire que, effectivement, je vais dire que je suis un joueur avec une certaine polyvalence, donc ça permet au coach de m'essayer à plusieurs différentes positions. Donc, par rapport à ça, oui, je peux être un joueur, on va dire, plus difficile à déloger, mais à la fin de la journée, il faut quand même que je sois performant à toutes les positions auxquelles on va m'essayer. C'est-à-dire que, voilà, pour l'instant, à l'entraînement, on me met surtout à gauche, parce que pour l'instant, ça va. Je veux dire, il ne manque pas de joueurs, mais au fur et à mesure que les matchs, que la saison va continuer, peut-être qu'on va... On va essayer de m'explorer à d'autres positions, mais pour le moment, voilà, ça répond à votre question. Nicolas Landry, RDS. Salut, Zoran. En réponse à une question sur le sujet du fait que vous avez accordé 4 buts en 2 matchs depuis le début de la saison, Will vient nous dire qu'au-delà de l'aspect tactique, il aimerait peut-être voir les gars des fois être un peu plus, utiliser les mots malicieux, vicieux, mais peut-être méchant dans les actions individuelles ou peu importe. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Est-ce que tu vois ça un peu de la même façon que lui? Oui, je suis d'accord. Je veux dire, on a une équipe d'abord qui est relativement jeune, donc qui peut par moments, manquer d'expérience. C'est-à-dire que des joueurs plus expérimentés vont savoir quand faire des fautes de manière à ce que ça ne cause pas de problème pour l'équipe. Mais à certains moments, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des moments où il faut faire des fautes pour, par exemple, calmer le jeu, pour faire souffler notre équipe, ou alors quand il y a une situation de danger qui arrive, oui, je pense que là, il faut peut-être, par exemple, trouver les moments pour essayer, comme le coach dit, d'être vicieux, pour essayer de ne pas encaisser des buts bêtes.
C'est-à-dire que je pense que tous les buts qu'on a encaissés, pour le moment, c'est des buts qu'on peut vraiment éviter. C'est des buts qu'on peut vraiment éviter. Et donc, oui, peut-être à être plus malicieux, peut-être nous aidera justement avec le futur à avoir des clean sheets ou à encaisser le moins de buts possible. Prochaine question, Gavino de Falco. Merci, Pat. Zoran, merci de prendre le temps. Zoran, comment tu t'es senti lorsque tu es entré dans le match? Première expérience en MLS. Est-ce que tu avais des papillons? Est-ce que tu as été nerveux lors de ta première présence contre Nashville? Parce qu'écoutez, Nashville a été clairement la meilleure équipe en deuxième demi. Il fallait, comme on dit, vous avez souffert défensivement. Donc, est-ce qu'il y avait des papillons à savoir? Faut pas que je fasse d'erreur. Faut pas que je mette mon équipe dans le trouble. Merci. C'est sûr que, voilà, moi, j'étais à l'échauffement et le coach m'appelle voilà, pour me dire que je vais rentrer. Je suis super excité, je suis super content de pouvoir jouer mon premier match de MLS. Donc, déjà, j'étais vraiment très excité. Peut-être un petit peu nerveux quand j'étais sur la ligne, au moment où je dois rentrer sur le terrain. Mais quand je rentre à ma position, franchement, là, je suis calme. Je ne m'imagine pas dans un grand stade. C'est comme si je jouais tranquille, je savais ce que je devais faire. C'est 2-2. Donc, c'est sûr que les deux équipes, on avait envie de gagner. Les deux équipes essaient d'attaquer. J'ai un rôle pour ce match-là, justement, d'essayer d'apporter offensivement. Donc, je n'ai pas trop peur de faire des erreurs parce que je sais que sur ce match-là, en tout cas, moi, ce qu'on m'avait demandé, c'était essayer d'apporter offensivement. Mais voilà, si ça répond à votre question. Ouais, j'étais vraiment content. Ça m'a fait du bien de pouvoir jouer ce match-là. Je suis super heureux maintenant. Jean Saint-Onge. Et comment on comparerait justement le degré de nervosité avec une première présence avec l'équipe nationale, compte tenu que quand on est avec les U23, on est avec nobody, les gens qu'on côtoie un peu plus, alors que là, c'est un peu comme si on arrivait avec les hommes, mais est-ce que la nervosité est différente? Je veux dire qu'elle est un peu différente, c'est-à-dire que là, c'est un match. Mais c'est un match d'une saison régulière, il y en aura encore beaucoup. Il y aura des matchs plus difficiles, plus faciles, mais voilà, je pense que c'est un match normal, mais c'est un match de saison régulière. Alors que, par exemple, le match contre le Mexique qu'on joue, c'est un match qu'on sait, il y a une seule opportunité pour, en tout cas, un joueur pour moi de mon âge de faire ce match-là. C'est-à-dire qu'on n'a malheureusement pas réussi à concrétiser le but final, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. Mais ouais, ce match-là, je veux dire, c'est de la bonne tension qu'on ressent. On est vraiment nerveux, mais on a envie d'aller se bagarrer, de donner notre maximum, justement, parce qu'on sait que c'est une opportunité qui arrive une fois dans une vie. Mais ouais, je pense que quand même, j'étais un petit peu plus nerveux le match contre le Mexique avec le Canada. Il y a une deuxième question de Jérémy Filosa. Zoran, l'année dernière, lorsque tu es arrivé, tu as dû te montrer patient. Déjà que ça faisait un bout de temps que tu n'avais pas joué. Là, tu signes avec le club, mais tu n'es pas éligible pour jouer la fin de la saison. Ensuite de ça, il y a eu des problématiques, la MLS, les négociations et tout ça. La saison commence un peu en retard. Là, te voici. Tu as joué avec l'équipe nationale. Tu commences à jouer maintenant à des minutes avec ton équipe. Est-ce que tu es convaincu plus que jamais maintenant que ça a été la bonne décision pour toi de revenir à ton équipe, l'équipe de ton enfance que tu nous avais dit la première fois lorsque tu avais signé? Ouais, franchement, je trouve que c'était la meilleure décision pour moi aujourd'hui, pour moi personnellement, pour ma carrière. Je veux dire, j'ai eu un parcours en Europe, c'était bien. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, c'est normal. Comme tous les joueurs, on a tous des obstacles à franchir. Et par rapport à tous ces obstacles-là, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure décision pour moi, c'était de revenir ici, à Montréal, où j'allais justement être proche de la famille, où j'allais justement être dans ma ville, ouais, d'une certaine manière. Bon, maintenant, on est en Floride, mais bon. Mais je suis avec des gars que je connais de longue date. J'ai un super staff, super coach, que je connais depuis tout petit en plus. Et voilà, aujourd'hui, je pense que la MLS, c'est une ligue très, très, très intéressante. Je veux dire, aujourd'hui, on peut voir beaucoup de joueurs qui ont évolué ici et qui arrivent à aller se lancer et faire des grandes carrières en Europe. Donc, ouais, franchement, je trouve que c'est une très, très bonne décision de ma part et j'ai aucun regret par rapport à ça. Je suis heureux et je suis prêt à,
à relever tous les défis là, qui arrivent. Il y a encore quelques questions pour toi, Zoran. Nicolas, à nouveau, Nicolas Landry. Oui, Zoran, ben c'est ça, tu viens d'en parler, c'est tout nouveau pour toi ici, la MLS et tout ça. Je suis curieux de savoir si tu aimes suivre les activités de la Ligue. Est-ce que tu écoutes les matchs des autres équipes? Est-ce que tu suis la Ligue des champions CONCACAF, par exemple? Est-ce que tu as regardé le match du Crew contre Monterrey? Et puis, peut-être un follow-up un peu plus large. Si oui ou non, tu as écouté le match du Crew, mais qu'est-ce que tu penses de cette équipe comme adversaire pour le match du week-end? J'ai pas encore eu. J'ai eu l'occasion, oui, de regarder quelques matchs de MLS. Crew, on a eu l'occasion de regarder déjà quelques petites vidéos de cette équipe. Mais moi, je les ai pas encore vues jouer, je veux dire, un vrai match. Mais voilà. Après, la MLS, je trouve que c'est un championnat super intéressant. Pourquoi aussi? Parce que j'ai l'impression que toutes les équipes, franchement, sont dangereuses. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a des équipes qui, par exemple, avec des gros écarts salariaux, tout ça. Donc, tu sais déjà à peu près comment va l'allure du match. Alors qu'ici, c'est une ligue où il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Une équipe là, tu ne t'attendais pas à ce qu'elle batte celle-là. Et voilà. Mais par rapport au Crew, non, j'ai juste regardé quelques petites vidéos, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir un match complet. Adi Raphaël? Merci Pat. Salut Zoran. Zoran, tu es présentement le remplaçant de Mustapha Kiza à gauche. Tu l'as dit durant les entraînements, tu joues principalement à gauche. Qu'est-ce que tu penses qu'il te manque pour prendre la place de Mustapha Kiza? Je sais que c'est ton ami, ton coéquipier et ainsi de suite, mais le but c'est que tu joues. Donc, c'est quoi qui te manque selon toi? Moi, je vais dire ce qui me manque, c'est d'être encore plus concentré, plus à la tâche. C'est-à-dire de montrer que j'ai encore plus envie, justement, d'aller arracher cette place. Ça, c'est le plus important pour moi. Je pense que c'est tout ce qui est aspect mental. Parce que, je veux dire, footballistiquement, voilà, les deux, on a nos qualités. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais je vais dire que, ouais, alors que si maintenant, moi, je vais aller prendre cette place, il faut que je montre que j'ai encore plus envie. Et que j'ai envie, justement, que j'ai envie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aller, justement, décrocher cette place de titulaire. Et on va conclure avec Frédéric Gay, TVA Sports. Oui, salut Zoran. Écoute, tu as passé les deux derniers matchs, bon, tu as joué quelques minutes, mais tu as aussi pu observer ce qui se passait à la hauteur du terrain. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a impressionné, que tu ne connaissais pas, de par sa communication, de par son jeu, sa lecture du jeu en particulier? Moi, un joueur que j'aime beaucoup depuis que je le vois déjà à l'entraînement, c'est Rudy. J'aime déjà, il est calme avec le ballon. C'est un gars, il stresse pas. Je veux dire, c'est sûr qu'à certains moments, ça va être un peu plus difficile, mais je trouve que c'est un patron de la défense. Il a beaucoup d'expérience et je trouve qu'il encadre vraiment bien les deux autres centraux avec qui il joue. Et voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder. J'aime beaucoup parler avec lui. Il va me donner des conseils. Sinon, à part lui, j'aime bien Jordi aussi. Je trouve qu'il fait des trucs super intéressants, un gars super technique. Voilà, donc je vais dire surtout Rudy, mais voilà, il y a ce joueur Jordi aussi qui, je trouve, qui a montré des belles qualités offensives. Voilà, ça complète aujourd'hui, Zoran. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Salut. Et drôle de hasard, en fait, j'allais vous annoncer que la disponibilité d'avant-match demain, 14h, c'est avec Rudy Camacho et Georgi Mihailovic. Donc voilà, Georgi and Rudy Camacho, tomorrow afternoon, around 2 p.m., you're going to get the media advisory as usual. Thank you, everyone. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Bonne fin de journée.